Au départ, il y avait vraiment le livre d'Emmanuel Dongala qui m'a vraiment plu, parce que je me suis dit, dans ce livre, il y a une matière romanesque, une façon de raconter le sujet des enfants soldats qui me paraissait intéressant. Et aussi les photos de Patrick Robert, qui sont des photos de guerre qu'il a prises au Liberia de 89 à 2003, qui sont assez impressionnantes parce que visuellement, il y a déjà un univers. Il y a l'univers du Liberia où les gens se déguisaient, perruques, robes et différents trucs comme ça qui font que c'était des personnages. Ça devenait des personnages de fiction dans une guerre qui était, elle, très réaliste. Et je me suis dit, ces photos, elles sont incroyables parce qu'il y a un tel décalage que ça devient cinématographique. Et donc l'approche, elle a été là-dessus. Elle a été le livre, les photos et après la réalité du terrain. Liberia, la guerre donc, a commencé en 89, a fini en 2003. Et il y a encore beaucoup d'enfants qui sont restés jeunes, petits, et qui ont combattu à la fin de la guerre en 2003. Donc c'était intéressant de les rencontrer, de leur expliquer. Je voulais faire un film sur les enfants soldats. Et à ce moment-là, c'est eux qui m'ont dit « Mais si tu fais un film sur les enfants soldats, on doit jouer dans ce film. » C'est-à-dire que c'est notre histoire. Tu ne peux pas aller en Afrique du Sud, tu ne peux pas aller au Sénégal pour raconter cette histoire. On doit raconter ça parce que c'est ce qu'on a vécu. Et on a envie de raconter aussi ce qu'on a vécu. On a envie de montrer comment c'était, quoi. Et ça m'a paru une évidence. Allez, Fafa. This is our cabin, dos to dos. I'm going to tell the people about me. Since the beginning of the year, they call it cabin dust to dust. I'll get 40 men on my control, Master Bulawu and Kulawu and Junction. I don't want to be busy there. I'll cabin dust to dust. A everyday battle group. We've been fighting in war, we're very innocent, we'll start fighting in war. January 18, 2002. I was the very first one, they catch me from one side, they kept me on the front line. The first commander that arrested me was General Mami Wata, he was the commander that arrested me. Mais c'est today, Gori. I said, ouais, mais c'est Gori on the front now. Ok, mais c'est don't be afraid. Don't be afraid, approche qui. Moi, tu vois, c'était bien les mecs, tu vois, bien les mecs. Moi, je suis bien le fire. Moi, je suis bien le fire, allo prêt, I tell you, c'est impossible, hein. They can only tell you opinion. When opening the tape last month, when I was explaining that, it's a USB last month, so they get pressed one time. As I press it, pull!
les bullets, les petits camions, ils font un jet brew, un combat bien et tout. À voler, à faire mon 50 run. On a raw et qui est chaud, bon. Et fire, bon, 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 Let me tell you another drill, man. You know, as a spell was anyway, I'll be taking another fire. Get one guy. Come for me for the sound. Get you. Go in here. Go in, fool in, and fool in. Gain that they wear so. Then you go. Put it in the door in pocket. You go. Tell them this is coming. I said, yeah, bro. We are bloody we are the group, sorry, Maggie, baby, a chap, busy. You want to tell me? Look at them, a few more. If you want the bullet, and if you want fire, you can see the mark on his head. If you want, pet your call, they lay plenty of love for the body down. J'ai rencontré des groupes d'enfants à qui je disais pour maintenant. Faites ce que vous voulez devant la caméra. Donc la plupart, c'était bien sûr des histoires de guerre. Tous d'ailleurs, il n'y a aucun qui n'a pas raconté une histoire de guerre. Mais comme ça, ça me permettait de voir aussi le côté photogénique des enfants et leur personnalité. Parce que chacun avec sa personnalité réagit différemment, raconte des choses différentes de ce qu'il a vécu de la guerre, donne sa propre vision, son propre souvenir de ce qu'ils ont vécu. Et ça, c'est intéressant. Dès qu'il a trouvé les mots, mais il a commencé à nous envoyer des photos de leur regard, on savait qu'on avait une bombe atomique entre les mains parce que personne ne peut fabriquer ça. Il faut juste le vivre et arriver à le retranscrire. Donc ça devenait beaucoup plus excitant. À la fin de ce casting qui a duré donc quasiment un an, j'ai sélectionné 15 enfants qui devaient participer à la Small Boy Unit, l'unité d'enfants soldats telle qu'elle était appelée au Libéria. On a loué une maison à l'entrée de la ville et je me suis installé avec les 15 enfants pour les remettre dans une ambiance, on va dire, stable. Parce que c'est des enfants qui sont à la rue, qui n'ont pas de famille, qui n'ont jamais été à l'école. Et là, on a commencé un travail d'improvisation au départ. Oh, you're okay. Lennon, je crève! Lennon! Regarde, moi! Bro! Bro! Bro, y'a ma peau! Bro! 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 Y'a ma poussée! Quelle heure? Oh, Ok. Y'a qui c'est là? Y'a qui c'est encore Gaffy? Je leur donnais les séquences du film et puis ils se mettaient à improviser d'autres séquences, des choses qu'ils voulaient aussi eux montrer. Et donc il y a eu comme ça un échange entre nous. Everybody,
J'avais comme conseiller Joseph Duhau, qui joue le général Neverdaille, qui lui a commencé la guerre quand il avait 14 ans. Il en a aujourd'hui 30. Donc c'est toute sa vie, il a été pris comme enfant soldat, il a servi pour Charles Taylor, il était général. Et lui était tout le temps avec moi aussi dans la maison, avec les enfants, à les amener dans une discipline. Ils avaient un respect par rapport à lui en tant que chef de guerre, en tant que libérien. Et il m'a vraiment servi de conseiller sur toutes les séquences de guerre. C'est-à-dire que voilà, ça s'est passé plutôt comme ça, voilà comment on faisait et tout. Et c'était important pour moi parce qu'il avait, lui, cette connaissance du terrain. Et il avait aussi, lui, envie de témoigner de tout ce qui s'était passé pendant la guerre. Good morning, General. Where are your men? I know where they are, General. Don't call me General. I don't know more General. Chez V, je l'ai rencontré en fait parce qu'il avait fait la une de beaucoup de journaux, notamment Washington Post, où on le voit avec ses dreadlocks, un RPG sur l'épaule, il est sur le pont de Monrovia, il hurle. J'ai vu cette photo, je me dis, lui, il est incroyable, quoi. Donc je l'avais recherché, je l'avais trouvé, et c'est finalement lui qui joue le rôle du général Neverdie dans le film. Le soir, on regardait ce qu'on avait fait sur la télé, donc ils comprenaient qu'il ne fallait pas regarder dans la caméra, qu'il ne fallait pas parler en même temps, qu'il y avait un travail à faire pour faire un film. On voyait aussi des films de guerre, on a regardé des images qui ont été faites pendant la guerre au Libéria ensemble, et puis ils commentaient, ils reconnaissaient des gens. Ils ont la connaissance de ce qu'ils vont raconter, ils ont une vraie sensibilité, ils ont une vraie violence. Maintenant, comment faire de ces enfants des acteurs? C'est là où le travail a été important, c'est là où c'est le chemin inverse que ce qu'on fait avec un acteur professionnel peut-être, et à qui on va dire, ben voilà, maintenant soit le personnage. Là, le personnage était là, et maintenant c'était soit un acteur. Je les ai pris comme des enfants, en fait. Parce que même s'il y en a qui avaient 19 ans, certains d'entre eux, même si certains étaient des enfants soldats, ils restent le mot enfant, donc ça reste des enfants. En fait, c'est des gamins qui avaient besoin de beaucoup d'amour, je crois, et de beaucoup d'attention. Puis il y avait de leur part un désir, déjà, de jouer, ce qui est vachement important. En 3-4 jours, je savais qui allait pouvoir avoir des facilités à rire, à pleurer, à se mettre en colère et tout ça, en faisant des exercices, et qui avait envie, parce qu'il y en a avec qui avaient envie comme ça, ça les amusait, mais qui allait pouvoir tenir sur la longueur. Tous les jours, ils répètent, tous les jours, ils ont des cours. Le matin, ils allaient à l'école, l'après-midi, ils faisaient des cours donc d'acting. Au départ, sur des exercices qui étaient des exercices complètement basiques, qui pouvaient être un 2-3 soleil. Quand Karine est arrivée au Libéria, elle m'a dit le premier exercice que je vais leur faire faire, c'est un 2-3 soleil. Je lui ai dit, ouais, bon, on va voir, parce que c'est quand même des gamins qui sont pas simples. J'ai dit oui, mais je pense que ça va marcher, parce que c'est des enfants et qu'ils vont s'amuser, mais en même temps, dans un 2-3 soleil, il y a une espèce de rigueur, c'est ne pas bouger. Donc la concentration. Donc c'est vrai que j'ai commencé à faire plein de jeux qui sont des jeux d'enfants, de tout petits enfants, qui n'ont pas fait, eux, souvent. Et qui permettait de se concentrer. Parce que le premier travail, c'était ça, hein, c'était d'arriver à capter leur attention. La concentration, c'était vraiment le premier truc. Donc j'ai fait plein de jeux d'enfants qui leur permettaient de se concentrer. Ça les amusait beaucoup. Shut the ass, man! Shut your fucking ass! Fuck you tout le temps, asshole! Et là, d'un coup, ça a été le déclic presque. Ils se sont dit, ouais, voilà, on s'amuse. C'était après l'exercice aussi sur la confiance. C'est-à-dire, par exemple, de fermer les yeux, de partir en arrière et que le copain le rattrape derrière. Au début, c'était des exercices qui étaient impossibles à faire avec ses enfants. C'est-à-dire, que ne serait-ce que de fermer les yeux, ça n'était pas possible. Moi, la limite que je me suis donnée, c'est de jamais leur demander ce qui leur était arrivé. Dans ma façon de travailler, je ne tiens pas compte de ton passé, de ce que tu as vécu. Jamais. Ça ne m'intéresse pas, je trouve que c'est déjà difficile de jouer. Donc c'est pas à peine de remuer le couteau dans des plaies. Si
smiling and go. Where is my blue t-shirt that you bought for me? Okay, now laughing. Where is my blue t-shirt that you bought for me? Keep the vex inside, okay? But don't scream it. Let's go. Marina, where is my blue t-shirt that you bought for me? Don't screaming, I say, don't yelling. I'm a yell. Yeah, you yell. Mes méthodes, c'est basé beaucoup sur le corps, en fait. La respiration, le corps. Donc, c'est pas l'intellectuel ou l'éducation, tout ça, ne rentre pas beaucoup en jeu. D'où tu viens, ça ne rentre pas beaucoup en jeu, tu vois, pour les faire pleurer. Moi, c'était beaucoup sur la respiration. Ce qui était important pour moi, c'est que les enfants comprennent ce qu'est le cinéma, puissent s'arrêter au bon endroit, ne parlent pas les uns sur les autres, arrivent à improviser tout en gardant une information donnée qu'on leur avait dit. Par exemple, il y a une phrase qui était importante, et cette phrase, il fallait qu'ils la disent. Donc, dans l'improvisation totale qu'ils faisaient, il fallait qu'ils s'en souviennent, il fallait qu'ils disent ça à ce moment-là. Ils se mettent en colère quand Jean-Stéphane en avait besoin. Moi, c'était ça, c'était qu'ils soient assez maniable pour Jean au moment du tournage et qu'eux-mêmes ne soient pas en état d'échec au moment du tournage. Tu vois, qu'on leur demande pas des trucs et d'un coup ils paniquent, ils savent pas comment faire et que ça devienne frustrant pour eux et pas agréable. Moi, mon objectif, c'est que les enfants soient bien. Et c'est là où ils ont vraiment évolué à partir du moment où je les ai rencontrés pendant le casting, où ils étaient bruts. Comme ça, ils avaient cette matière, ces souvenirs de guerre qu'ils voulaient raconter, avec une énergie comme ça très forte. Et puis, jusqu'au moment du tournage, où ils étaient devenus des acteurs. Qu'est-ce que l'enfant à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va pouvoir donner? Même au niveau des psychologues, j'ai parlé de ce projet, je me suis renseigné et dire qu'est-ce que ça va être de faire tourner des enfants soldats. Ils m'ont dit que ça va être plus traumatisant finalement de donner une arme à un enfant qui n'a jamais combattu et qui ne sait pas ce que c'est, lui demander de tuer pour le cinéma, que de travailler avec des enfants soldats. Parce qu'ils savent ce que c'est et donc ils peuvent utiliser vraiment le cinéma comme une thérapie et rejouer les situations, mais en les contrôlant cette fois. C'est-à-dire que pas en étant victime de ce qu'ils étaient pendant la guerre, utilisés, manipulés par les généraux et tuant sans avoir conscience de ce qu'ils faisaient. Là, ils refont, mais ils maîtrisent ce qu'ils font, ils le jouent. Et on a travaillé longtemps, on a travaillé un an pour qu'ils fassent aussi la différence entre leur propre expérience et leur personnage qu'ils avaient joué dans le film. Palamoula, Dogoma Poussa, Dogoma Poussa, Rukana. Les spectateurs regardent le film, sont choqués par cette violence psychologique et disent mais vous avez fait faire à ces enfants des choses qui les ont peut-être retraumatisés, tandis que c'est l'inverse. Évidemment, on n'aurait jamais fait des choses pour traumatiser des enfants qui sont déjà dans des situations assez difficiles. Au contraire, ce travail a permis à ce que ces mômes prennent du recul sur ce qu'ils ont vécu. Ils peuvent aussi s'observer et observer pas ce qu'ils ont fait, mais l'ensemble de cette histoire-là. Ah,
Dans le livre, il y a un des personnages qui s'appelle Rambo, par exemple. Et je les avais mis autour de moi, je leur ai dit, ben voilà, on va aujourd'hui décider le nom de chacun. Chacun va avoir un nom par rapport à son personnage. Quand j'ai proposé Rambo, tout le monde a éclaté de rire. Rambo, Yonif. Rambo. 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 Rambo is not need for rebel. Because we are rebel, we are not anything but actor from America to use Rambo need for one man to go for a war in Afghanistan. We are rebel. Moi, je suis Rambo. Je suis go à Rambo. Je suis going fire in wood and get dying. But, me, yeah. I fire trick up on all the world, Gizzy Martin. So I want Rambo. I can be fire at Rambo because I can die. Rambo by Rambo can die. We don't have Rambo. We can get on group and die what you want and still go in. But we don't have Rambo. Chuck Norris et les gamins qui ont trouvé ça dans le film, quand j'aurais parlé de Luzi, je dis mais vous, ça fait référence à quoi Luzi? Ils m'ont dit bah nous c'est Chuck Norris dans Delta Force, mais c'était une évidence quoi. Donc c'est eux qui ont après amené ça et ça fait partie de leur univers cinématographique. Tous ces films étaient une référence de guerriers. Mais maintenant, une référence qu'ils arrivent vraiment à dissocier. C'était important pour ces enfants de se créer leur propre personnage. C'est de jamais combattre en tant que soi-même, mais de prendre un nom de guerre. Donc ce qui est Johnny Mad Dog, c'est son nom de guerre, c'est pas son vrai nom. Ce qui est dit dans le film, on ne se souvient plus de son nom parce qu'ils sont embarqués et que ça devient eux-mêmes, mais ils se créent un personnage. Ils se créent aussi un personnage dans leur costume. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont être un personnage beaucoup plus fictionnel, beaucoup plus proche de l'enfance, que ce soit dans Butterfly avec ses ailes, la robe de mariée ou tout ce qu'on voit dans le film. C'est-à-dire que je me suis inspiré des photos de Patrick Robert pour créer ça, parce qu'on aurait pu se dire au début, mais on n'y croit pas, ça n'a pas existé. Et puis quand on voit les photos à la fin, on se dit, bah si, tiens, c'était ça, mais c'est, donc c'est hallucinant. Et donc il y a quelque chose comme ça de psychédélique dans ces gamins, mais qui était important pour eux de se créer leur carapace, leur uniforme, leur nom, pour pouvoir les combattre et ne pas être eux-mêmes quand ils combattent. Ne sachant pas lire, ne sachant pas écrire, il fallait que je leur raconte les séquences, qu'eux improvisent, qu'ils proposent leur version des faits. Et après, moi, je réécrivais sans arrêt avec ce qu'ils proposaient, qui était finalement plus intéressant, plus réaliste. Par exemple, la première séquence, quand ils attaquent le village, dans le livre, c'est ils attaquent le village, ils sortent tout le monde, ils trouvent un enfant caché, ils tuent tout le monde et ils s'en vont. Et ils m'ont tout de suite dit, mais non, on va pas tuer un enfant qui est là, on va le prendre avec nous parce que c'est un soldat et qu'il peut aider. Et on va lui demander de tuer ses parents parce que c'est ce qui nous est arrivé, c'est ce qui est arrivé comme initiation pour ces enfants soldats. Ben, vous avez raison, c'est plus intéressant que juste leur faire tuer tout le monde et on s'en va. C'est-à-dire qu'à un moment, ça permettait aussi de justifier et d'expliquer vraiment les situations telles qu'elles se sont passées sans être dans quelque chose de gratuit et de facile. Ça explique la réalité telle qu'elle est et ça montre justement le danger des adultes qui utilisent ces enfants et qui se servent de l'innocence et de l'incrédulité de ces enfants et qui utilisent leur violence. Parce que c'est important de montrer aussi que les enfants ont une violence. Il ne faut pas croire que parce qu'ils ont 8 ans, 9 ans, 15 ans, ils ne sont pas violents à l'intérieur. Il y a une violence. C'est les manipuler, c'est là où ça devient dangereux. Yeah, 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 yeah.
who maybe the commander can have the password, no? Yeah, yeah. Who are you, dead dealers? What the password? No die, no rest. Le tournage a été la toute dernière étape de cette année, c'est-à-dire que c'était 6 semaines. Donc finalement, c'était l'étape la plus courte dans tout le processus. Action ! Et pour moi, c'était important de partir avec une équipe qui soit une petite équipe. On était très peu toujours autour de la caméra, on était 4-5. Et face à la caméra, il y avait les 8 ou 15 enfants, suivant les séquences. Quoi. Et c'est important qu'il y ait cet échange-là, c'est-à-dire pas se dire on arrive avec une lourdeur d'équipe, on arrive avec le camion, on s'installe, et puis eux sont minimes. C'était non, confrontons, et confrontons le cinéma, c'est ce que ces enfants ont préparé pendant un an. Dagway, you have to keep the same position. Baby boy this side and you this side. If you switch after, I can use all the sequence with you. Yeah? It depends on you. If you keep the same position, I don't have to do it again. I wear my hat. If you change each time, I have to do it again. I wear my hat, you know. I will be on the balcony, please. 80 sur 3, deuxième. Très vite, il avait cette idée de faire un film de cinéma qui est l'élégance d'un film de cinéma et qui ne soit pas beaucoup plus cheap que ce qu'il avait en tête. C'est ce que j'ai essayé de lui vendre pendant 6 mois. Il a pas accepté de partir avec une caméra DV. Moi, j'ai dit super, super, prends une caméra, prends 15 cassettes, 3 batteries et puis vas-y. Et il m'a dit non, c'est un film de cinéma, on doit le prendre très au sérieux et élever le sujet à travers sa forme. Et il m'a convaincu très vite que le film avait besoin d'un minimum de moyens pour exister artistiquement parlant, et pas seulement au niveau politique ou social, mais d'avoir un vrai impact visuel. C'était important pour moi qu'il y ait ce côté très viscéral en même temps, c'est-à-dire que le spectateur ressente plus qu'il ne soit spectateur juste des scènes, mais qu'il ressente avec les enfants, avec les acteurs du film, comment ça pouvait être quelque part de se retrouver dans une situation de guerre comme ça, comment c'était d'être un enfant soldat qui se fait embarquer et qui est amené au front, qui est drogué, qui se retrouve dans un groupe, qui crie, qui tue, qui viole. Tout ça, c'était important que le spectateur ait une réaction par rapport à ça, que ça soit pas juste une position de spectateur extérieur. Le principe du tournage, c'est qu'on tournait tout en plan séquence. Je voulais pas commencer à découper, prendre le champ, le contre-champ, arrêter. Non, c'était le steadicam qui devait être au service des acteurs. Et à partir du moment où on démarrait la séquence, il fallait aller jusqu'au bout. Même si elle durait 5-10 minutes, on y allait. On suivait ce qui se passait et on captait ce qui se passait, suivant différents points de vue, souvent. Mais c'était impossible avec ces enfants de leur dire, voilà, arrêtez-vous au milieu de la prise et puis on reprend, toi tu te souviens de ton texte. Non, il fallait vraiment que ça se capte l'énergie et le rythme plus. Mais c'est pas les acteurs qui vont refaire la scène 15 fois et puis qui vont tenir toute la journée. C'est-à-dire qu'il fallait être présent au moment où les 2 heures, d'un coup, ça y est, ça démarre et il y a cette énergie qui est là et ils s'amusent et ils font les séquences qu'on avait répétées et d'un coup, il y a quelque chose d'étonnant qui se passe. C'était impressionnant même avec le couple d'instituteurs. Parce que ça, c'est une scène qui est très écrite. C'était un dialogue donc, entre ces gens et puis Johnny Mad Dog. Donc à un moment, il fallait qu'ils connaissent son texte parce que c'est un ping-pong. I want to answer one question. Two of y'all.
You have shown me the error triangle. Donc là, je lui ai appris le texte, phrase par phrase, phonétiquement, parce qu'il ne savait pas lire. Donc je le sentais qu'il ramait un peu à apprendre le texte. Il ne comprenait pas tout, parce que 10 puissance 3, il ne sait pas ce que c'est. Parce que l'air d'un triangle, il ne sait pas ce que c'est. Donc à un moment, c'était presque du chinois pour lui. Il apprenait quelque chose phonétiquement sans vraiment comprendre. Is this madame, mon ami? Alors, il s'est rendu, mais t'as eu, non? Bah, t'es à Grèce. Puis finalement, quand on est arrivé, il était dedans, il connaissait ses 7 pages de texte par cœur et il mettait le ton, quoi. C'était impressionnant parce que d'un coup, ça devenait un acteur. C'est vraiment un acteur né. Il a un truc d'instinctif comme ça qui me dépasse. Et ça, c'était assez émouvant parce que d'un coup, voilà, il y a une magie qui prenait, qu'on contrôle plus. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé, ils ont appris ce que c'était que d'être acteur, ils ont appris ce que c'était de dire un texte une fois en colère, une fois joyeux, une fois triste. Ils ont appris avec Karine à pleurer, ils ont appris comme ça à gérer leurs émotions. Et puis sur le tournage, eh ben, ils donnent tout ça, quoi. Ils donnent tout ça parce qu'ils ont envie d'être le plus réaliste possible. Il est gay. Hein? Et ça, on y en est. Adon, il y a gift. Coupé. C'est une histoire qui s'est construite sur la confiance. Et à partir du moment où ils m'ont donné leur confiance, ben, ils se sont donnés complètement et se sont jetés à corps perdu dans le film. Et ça devenait vraiment leur projet, ça devenait leur projet de vie aussi. Et ça devenait pour eux un moyen de prouver qu'ils pouvaient faire autre chose que de combattre. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'ils avaient été enfants soldats, qu'ils ont été manipulés, qu'ils ont fait la guerre, mais qu'ils pouvaient aussi faire autre chose, qu'ils pouvaient s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même rejetés de la société. C'est des gamins qui sont pointés du doigt parce qu'ils ont combattu. Là, d'un coup, ce projet, pour eux, ça devenait une nécessité. Bien, Morgan. Le t-shirt est perfect. Ouais. Ok. Vous avez sur la caméra ou pas? Oh. Awanda. Awanda. Tomba mi. Tomba mi. Tomba mi. Tomba mi. Jaya lesi. Jaya lesi. Jaya lesi. Tomba lesi. Tomba lesi. Dedication. Dedication. Now all we want. Now all we want. Olá, Ediva. Hola, Ifa! Hola! Comme on avait un problème pour importer les armes au Liberia parce que c'est sous embargo et donc on ne pouvait pas amener des armes dans ce pays à cause de l'ONU, on a dû trouver d'autres solutions. Donc on a d'abord fait une demande au Conseil de sécurité à New York. Et puis après, ils nous ont autorisé à amener des armes factices, des jouets. Donc on a finalement fait le film avec des répliques faites par les Japonais pour le paintball, donc qui ressemblent vraiment à des armes, qui ne sont pas des armes. Et qui étaient aussi bien parce que quand les enfants jouaient, finalement, il n'y avait pas les tirs de balles à blanc, mais c'était, ça faisait... Pfft. Et donc d'un coup, on était dans un film, on était dans le cinéma, et donc pour eux, ils jouaient vraiment. Quoi. Pour rajouter à tous les problèmes de ce genre de film, il y a où peut-on tourner un film sur les guerres civiles africaines en Afrique. L'Afrique est un continent très instable, en tout cas au vu des assureurs de cinéma. Et on a élaboré quelques pays qui étaient les plus stables, qui auraient pu nous accueillir. Mais les pays les plus stables sont des pays qui n'ont pas été en guerre, forcément. On a étudié un peu quels étaient les pays qui pouvaient nous accueillir. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que le Liberia, qui était le premier pays dont ils nous avaient parlé, sur lequel on a tout de suite dit non, parce qu'à l'époque, on venait sortir de la guerre d'un an ou un an et demi, on s'est rendu compte que ce pays qui était en pleine reconstruction était capable d'accueillir une structure et d'accueillir un film qui pouvait mettre en lumière des choses que le pays a vécues d'une manière très intime pendant 15 ans. Action! And the movie is called Journey My Dog. The film starts Sunday, March 25th, and we end on the first week in May. Don't panic when you hear the sound of guns. Don't be scared, please. When you see people shooting, don't run. Don't be so scared. It's just a movie. We are only acting. It's not real. We are acting with just a common actor and actress in Liberia. It's a fresh crew, okay? They are here to make a show called Journey My Dog. These are not rebels, these are not actors, and I mean the guns are not real. This movie has permission, please. The government of Liberia know about it, and all know also aware about it, please. Ladies and gentlemen,
This is a show called Johnny Mad Dog. We are making a movie called Johnny Mad Dog starting on the 25th of March. C'était au moment, au Liberia, où il y a eu les nouvelles élections, avec une présidente, une femme, qui est à la tête du pays maintenant, qui est Ellen Johnson Sirleaf, et qui, elle, a vraiment appuyé le projet et a permis que ce film se fasse, dans la mesure où il n'y a aucun tabou de la part des Libériens, et que quand on est arrivé avec le projet, elle a dit « mais vous devez faire ce film ici, c'est aussi notre histoire, c'est aussi une façon de raconter cette guerre qui a complètement paralysé le pays, traumatisé le pays pendant des années, et une façon aussi de montrer à la communauté internationale qu'aujourd'hui le Libéria est en paix, qu'on peut faire des choses, que le pays est en reconstruction et qu'ils sont partis sur une nouvelle énergie. C'était important d'avoir comme ça le soutien du pays. Annonce 29 sur une, troisième. Travelling. C'était quand même le premier film qui sortait dans ce pays. Donc il n'y a pas d'infrastructure, il sortait de 14 ans de guerre. Donc basiquement, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Donc on part quand même dans un pays qui n'est pas le plus simple pour faire un film. Maintenant, le choix du Liberia pour moi était vraiment important parce que je n'imaginais pas faire ce film dans un autre pays, dans un pays qui n'est pas connu la guerre, avec des gens qui n'ont pas connu la guerre. Parce que ça transpire de partout, quoi, et que en tant que scénariste, il y a plein de choses qu'on ne peut pas imaginer. Il y a vraiment, il n'y a que eux qui peuvent amener ça, cette authenticité. Silence, please, we are going to shoot.
Il y en a trois qui ont vu le film, dont ils sont venus en France à l'avant-première, quand on a sorti le film à Paris. Donc ils sont venus du Liberia, ils ont découvert le film là, lors de l'avant-première, quoi. Jean. Jean Bouteau. Ça va? Moi, je me suis jamais posé la question après, est-ce que les mômes vont apprécier ou pas, est-ce qu'ils vont comprendre ou pas. S'ils ont accepté et s'ils l'ont fait, ils vont le prendre après de la même façon, c'est-à-dire d'une manière naturelle. Et effectivement, ils ont vu le film et ça représentait la réalité qu'ils ont vécue sur le tournage. Et comme cette réalité du tournage, elle a été élaborée sur leur réalité, encore une fois, c'est une suite organique de... Et c'est pour ça que le film est réussi. C'est juste parce que les mômes, quand ils voient le film, ils s'y reconnaissent. Me and dog were vast. Yeah. Me and dog were vast. To God on my John. Yeah. To God us whole day. I said the devil in the horse today, that do or die. The day the horse will have baby, I put a spa. The devil in the horse today, that do or die. The way the horse will have baby, I put a spa. I will never forget my director. Ils ont vu le film, donc ils l'ont découvert dans une salle qui était pleine. À la fin, je les ai fait monter sur scène et d'un coup, il y a une vraie émotion qui s'est dégagée d'eux parce qu'ils venaient de voir le film et en même temps, ils se retrouvaient face à un public qui les applaudissait, c'est-à-dire qu'à un moment, ils reconnaissaient leur travail non plus en tant qu'enfant soldat, mais en tant qu'acteur. So, my people, thank you for your coming here today. Thank you. I got nothing much to say, but thank you, my people. I got nothing to say. Nothing. I fled the war. I will bow in the war. Bow. I fled the war. I look up. The show, the movie is small. The one I see is very bad. People kill even me. I cry with tears. Kill be better woman. People die. Boy, thank you. Thank you. And my final words to tell all your people here, y'all shouldn't be afraid of a former child soldier. A child soldier can be changed. He can be normal like all of y'all. Because you know the chassis are always been forced to fight the war. Like, as for me, I have a lot of experience about the war. I was not my waiting man to fight the war. So I'm very happy to see myself in Paris, telling the people what I did in the past. It's good for me. So we only want to fight against the people that are encouraging chassis to fight war. It's not good. So y'all, thank you very much. Y'all, thank you. It's all I got to say. Y'all, thank you. I'm Maddie Barry. It's just acting, you know, for real. Just acting. So don't be afraid. Au Liberia, les gens ont peur d'eux. Ils sont en effet identifiés comme enfants soldats. Et comme ils ont traumatisé des populations entières, aujourd'hui, on vit avec eux et en même temps, on les repousse. Et donc, c'était important pour eux d'expliquer qu'il y a une différence entre eux dans le film, eux dans la vie, qu'il fallait que les gens comprennent cette différence, c'est-à-dire que ça restait des enfants, qu'ils avaient été manipulés, qu'ils avaient fait en effet ça, mais qu'ils n'étaient pas ça. Parce que quand ils combattent, et c'est pour ça que les enfants s'utilisaient pendant la guerre, c'est avant tout parce qu'ils sont inconscients et ne savent pas ce que c'est que la mort. Ils ne savent pas, quand on leur demande « est-ce que tu as tué des gens ?», ils vont vous dire bah, « j'ai tiré, la personne est tombée ». Et c'est une nuance importante de chez les enfants soldats qui sont qu'en effet, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils faisaient. Quoi. Plus drogués, plus l'effet de groupe qui a joué beaucoup. Parce que d'un coup, avec ces enfants, d'être embarqué dans un groupe, on n'a plus de choix, on avance. Il y en a un, Barry, qui disait, voilà, nous on avançait et puis si on reculait, on se faisait tuer. Donc de toute façon, on était pris là-dedans. Et le film essaie de refléter ça. Cette espèce de spirale comme ça qui ne s'arrête jamais et dans laquelle on ne peut pas non plus prendre le temps de la réflexion.
Ils ont tout de suite cherché à expliquer aux gens que ce film devait être aussi un message pour tous les enfants qui continuaient de combattre. Ce qui était émouvant parce que c'était le but du film aussi, c'est de combattre contre l'utilisation des enfants aux soldats aujourd'hui dans la guerre. Et que les enfants même du film qui avaient connu ça bah, deviennent aujourd'hui un peu des exemples qui veulent dire voilà comment c'était pendant la guerre, c'est notre situation, ça a été plus violent que ça, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé. Et voilà contre quoi faut combattre. Donc à vous maintenant de faire quelque chose en gros quoi. On a fait une projection à l'ONU, qui était sous demande du procureur de la Cour suprême de Sierra Leone, qui juge en ce moment Charles Taylor. Et au sein de l'ONU, ça a créé une polémique. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait le sous-secrétaire général qui s'occupe des enfants dans les conflits armés, qui est une femme et qui, elle, a poussé et a dit « oui, faisons cette projection, c'est important ». Et puis, le sous-secrétaire général qui s'occupe de l'information, qui a dit « on ne peut pas montrer un film pareil parce que c'est trop réaliste, c'est trop violent ». Et moi je me dis, bah alors si ces gens-là ne sont pas capables de regarder la réalité, comment les choses vont changer? À partir du moment où on s'engage autant avec eux, bah, ça continue après. C'est comme. Aller faire un film en banlieue, au bout d'un moment, tu continues à avoir des relations avec les gens du quartier, que tu le veuilles ou pas. Et il vaut mieux le vouloir, parce que ça doit faire partie de l'éthique de base, de vouloir aider les gens, de vouloir participer à leur vie, de vouloir essayer de faire comprendre à l'extérieur ce qu'ils vivent. C'est pas juste faire un film d'action avec des petits noirs, avec des flingues, et des têtes coupées, et puis on va essayer d'en vendre un maximum. C'est justement leur permettre d'évoluer, de communiquer. Donc on s'engage politiquement, on s'engage socialement, on s'engage humainement avec ces gens-là. Bah c'est juste une histoire de respect, quoi. À partir du moment où on les respecte, après, on peut pas s'arrêter. Dès la préparation, on en avait parlé avec la production, j'avais dit qu'il faut qu'on mette en place quelque chose pour après. Donc il fallait mettre en place une fondation qui s'occupe déjà des enfants du film, des 15 enfants, qui leur permet d'être logés, nourris et d'aller à l'école, d'essayer de les suivre, continuer à les suivre dans leur vie. Ce qui n'est pas évident parce que c'est des gamins qui vivent au jour le jour, c'est-à-dire qui ne pensent pas au futur, ils n'ont aucun projet de futur, hein, si ce n'est dans l'heure qui vient. Quoi. Ils sont nés dans la guerre, ils ont toujours vécu avec « on ne sait pas ce qui va se passer demain, on va peut-être se faire buter ». Et donc, bah, profitons de la vie telle qu'elle est, mais dans l'instant présent. C'est pour ça que dans le film aussi, ils ont cette énergie, ils sont tout le temps dans l'instant présent. Et d'arriver à les amener dans des projets futurs, c'est tout le but de la Fondation aussi, de leur dire « mais attendez, construisez quelque chose, parce que bah, la vie ne va pas s'arrêter là, et qu'il faut que vous continuiez, il y a l'école qui est importante ». Donc l'école, c'est un truc qui est important, mais qui pour eux, quand vous avez 15 ans, vous devez aller à l'école pour la première fois, c'est pas simple parce qu'un enfant de 15 ans n'a pas envie d'aller à l'école forcément, quoi. Donc d'un coup, ces gamins qui n'ont jamais connu ça, connu que la liberté de la rue quelque part, de s'asseoir dans une salle et de rester à écouter 4 heures un prof, bah, c'est difficile. Donc la Fondation essaye comme ça de continuer à les suivre et de les aider. Après, moi le projet c'est de la développer et de créer une ONG culturelle, on va dire, d'amener la culture au Libéria, ce qu'il n'y a pas eu pendant 14 ans, parce qu'il y a eu la guerre, donc il y a eu une rupture dans la culture. Donc l'idée, c'est d'investir un cinéma, de projeter d'autres films, et d'amener ce travail qu'on a fait avec les enfants, à la fois sur le théâtre, à la fois sur le cinéma, à d'autres enfants qui, aujourd'hui, sont désœuvrés, comme un moyen éducatif. Permis de sortir certains traumatismes. Après, les enfants resteront traumatisés parce que c'est des traumatismes desquels on ne sort pas indemne. Mais au moins, ils ont appris à vivre avec et à essayer d'aller vers l'avenir, d'aller vers le futur. Et c'est ce qu'on voyait à la fin de l'avant-première, c'est-à-dire c'est des gamins qui ont, depuis le début, qui ont vraiment changé. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un processus qui s'est fait, basé sur la confiance, basé sur l'amour, basé sur l'éducation, qui sont, on va dire, les bases de la société, quoi. Et à partir du moment où ces enfants ont un minimum d'amour, un minimum d'éducation, et ben ils changent. Yeah.
explosent.